recherche bien sûr les déviations de la tête d'Oaro. Bien joué, bien couvert, très bon geste défensif, très bon placement et bon geste défensif pour donner le ballon à son gardien. C'est vraiment ancien de Montpellier. Accélération de Guillaume Oaro, un appui sur Pancrate et ballon capté dès demain par Jérémy Sopalski. Où j'ai été admirablement accueilli. Oh, c'est un long ballon. Restez vigilant. La petite claquette de Sopalski. Restez concentré là sur. Ouais, le coquin de Jérôme Rotten. C'est cadré. Hein. C'est cadré, ouais. Bon, je pense pas que c'était plus un centre. Fais attention à l'omoplate de Samy Traoré. Et attention au débordement de Fabrice Pancrate. Oh, le ballon claqué là. Du bout des doigts par Sopalski. Ballon toujours dans l'air de jeu avec un nouveau centre. Prise de balle impeccable du gardien de Rodez. Ouais, si c'est au point de pénalty, le centre de Rotagne, il y a plus danger. Là, le travail est excellent sur le côté droit de Fabrice Pancrate. Et derrière, il y a le centre de Rotagne qui va arriver. Bel arrêt de Oaro. Un appui sur Pancrate. La fin de corps de Pancrate pour Loïndoula. Et la sortie de Sopalski. Ah, c'était bien fait. Oui, c'est bien fait derrière, de la part d'Olivier. Cette action, hein. Oyundula, Oaro et Pancrate qui laisse passer entre ses jambes. C'était très très bien joué. Et Pancrate, alors c'est Fabrice Pancrate qui va sortir. Ludovic Joly va rentrer. Ça, c'est du côté parisien. Du côté de... La tête d'Oaro dans la profondeur pour Oyundula. Il a hésité, Sopalski. Voilà, parfait du Spelgas. Ah, c'est bien joué. Je pense franchement que c'est bien joué de la part du défenseur qui va mettre le pied sur le ballon. Mais alors là, c'est qui tout double parce qu'il se jette dans la surface de réparation. Il aurait pu occasionner un pénalty, effectivement. Ça fait quand même deux fois que Guillaume Oaro, hein, sur ses déviations de la tête, crée deux occasions. Ça, c'était il prend le ballon. Il n'y a aucun doute. Il va prendre le ballon. Regardez bien son pied. C'était pour Ludovic Joly, bien servi par Clément. Loïndoula, toujours à la lutte avec Lescure. Peggy Loïndoula qui tente sa chance et contré. Ça arrive sur la tête avec la parade de Sopalski. La tête de Guillaume Oaro, la dernière possibilité en plus, pour le PSG d'éviter la prolongation. En plus.